L'album Wake Up and Sleep devrait se trouver chez nos disquaires dès le mois d'octobre. Les 13 pièces reflètent un groupe transformé par l'arrivée d'enfants pour trois de ses membres. Il inclura également une reprise de In the Ghetto, popularisée par Elvis Presley. Restons sur la scène musicale anglophone pour voir quel